tout le monde, c'est Zana Games. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Enfin, sur un quiz d'Inazuma Eleven. J'ai imaginé une nouvelle série, un nouveau concept de vidéo. Ce qui est le Inazuma Eleven Challenge. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est que le Inazuma Eleven Challenge? Ça va être de faire un quiz. Quel personnage es-tu? De faire un autre quiz, quelle technique auras-tu? Et ensuite de mélanger les deux et de faire notre personnage, celui qu'on est vraiment dans Inazuma Eleven. Check it. Donc, on commence directement avec le premier quiz. Quel personnage d'Inazuma Eleven es-tu? Donc, on va commencer. Alors, quel type de super technique aimes-tu? Donc, celle très impressionnante ou celle qui détruise tout, celle qui te rattrape en situation difficile, celles qui sont subtiles mais efficaces? À vrai dire, celles qui sont impressionnantes ou celles qui détruisent tout sont ceux là que je vais prendre, mais lesquelles? Puisque là on voit Zanar que j'aime bien, mais je préfère celle qui détruise tout quand même. Voilà. Ensuite, ton style de jeu est plutôt rapide, imprévisible, agressif, stratégique. Donc, mon style de jeu est plutôt rapide et agressif. Je vais plutôt mettre agressif. Ensuite, on descend. Quel est ton esprit guerrier préféré? Lancelot. Quel est ton poste préféré? Attaquant. Parce que même si je suis gardien dans la vraie vie, enfin je joue pas au foot, je joue au hand, mais si je suis gardien dans la vraie vie, je préfère quand même les postes d'attaquant. Ensuite, quel est ton élément de prédilection? Le feu, la glace, la terre, le vent. Le feu. Voilà. Quelle est ta couleur préférée? Jaune, rouge, bleu, vert. Rouge. Quel est ton animal préféré? Cheval, lapin, aigle, loup. Entre l'aigle et le loup, c'est différent, mais je préfère quand même le loup. Voir les résultats. Dans Inazuma Eleven, je suis Axel Blaze comme 25% des joueurs, ce qui n'est pas un grand nombre, 25%. C'est la moitié de la moitié. On passe directement au deuxième quiz. On est sur le deuxième quiz. Alors, on va commencer. Aimes-tu le football? Même si c'est étrange. Non, pas du tout. Je préfère le piano. C'est une excellente question. Mon ordinateur va se charger des réponses. Ah, ben, en fait, non. Ta mère, la péripatéticienne. Quoi? Et le vide sidéral. C'est le vide absolu sidéral. Alors, on va dire. Non. Quel genre de personnage es-tu? Gentil, Kaira du ghetto, Fayot, bipolaire, un lapin, kawaii, une personne intelligente ou... Mais c'est quoi la petite tâche là? Notre cerveau. Enfin, la partie active, qui représente environ 7%. Ouais, quand même. Une huître, c'est 8. Ouais. Et un 9, c'est 9. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher? Viril, à vrai dire, je suis viril. Qui serait ta waifu? Bon, bah là, je vais pas lire, puisque vous savez tous qui c'est normalement.
Et on va prendre bah, Nelly, c'est ce que je cherchais. Ensuite, quel est ton duo préféré? Ricardo Victor, Arion JP, Gabi Hector, AD Michael, Subaru Eugène, Samgook et Wanli et Ryoma Lucien, ils sont partis aux toilettes. On va directement mettre Ricardo Victor. Ça, on a déjà répondu, le feu. Et quel serait ton poste sur le terrain? On a déjà répondu, attaquant. Donc, je suis en premier. Victor Blade à 50%, Subaru Honda à 50%, et les autres, c'est moins bien. Du coup, soit Subaru, soit Victor Blade et Axel Blaze. Ensuite, dans l'autre quiz, quelle est ta véritable personnalité? Tu n'abandonnes jamais, tu es fort et audacieux, tu ne regrettes jamais une défaite, tu regrettes toujours la défaite. Ouais, tu es fort et audacieux. Qui te motive le plus? Ton coach, tes parents ou ta tante, ton frère ou ta soeur, ton chien? À vrai dire, ton coach. Selon toi, quelle est la personne que tu ne quitteras jamais? Ton meilleur pote, ta soeur, ton chien, ton grand-père. Ton meilleur pote. Qui est pour toi ta mélodie? Les filles, les ballons, tes managers, un stade de foot. Les ballons. Quelle est la personne qui te donne le plus d'amour? Ta mère, ton chien, ta soeur, les personnes de ta famille. Les personnes de ma famille. Quel est ton rituel? Tirer un pneu et l'arrêter, sauver des personnes, parler à son chien après chaque entraînement, tirer dans le ballon, bah juste tirer dans le ballon, hein, tout simple. Quelle est ta spécialité? Les dribbles, l'attaque, l'arrêt, jouer au foot. On a déjà répondu, l'attaque. Et donc je suis Arion. Oh non! Un des personnages que je déteste. Passons à un autre quiz. Et du coup, celui-là, ça va être le dernier quiz. On va voir qui je suis au final et finir l'épisode 1 de Inazuma Eleven Challenge. Quand tu t'ennuies, tu va jouer au foot avec tes amis, va voir ton frère et ta sœur, essaye de trouver une occupation, joue d'un instrument. Essaye de trouver une occupation. Comme super technique, tactique, tu voudrais. Envol des ténèbres, petit fortissimo, tacticien céleste, fulgurante double tornade de feu. Fulgurante double tornade de feu. Tu es plutôt du genre à regretter une défaite, à se dire que ce n'est pas en regrettant qu'on avancera, à se dire qu'il faut gagner le prochain match, à pleurer, à regretter une défaite. Si tu devais jouer ou si tu joues au foot, quel est et serait ton poste? On a déjà répondu, attaquant. Qui te donne le plus de confiance? Ton frère, ta sœur, tes amis, ton équipe, toi-même. Toi-même, on ne peut pas avoir plus confiance en soi-même. Voir les résultats. Ah, bah je suis Victor Blade à 62%. Du coup, je ne sais pas, ça va être la fin de la vidéo. Je ne sais pas si je vais vous faire voter qui je suis par l'intermédiaire d'Instagram. Et sinon. Bah, si on ne vote pas, en tout cas, je serai Victor Blade. Bon, c'était tout pour l'épisode de Inazuma Eleven Challenge, le tout premier. Pour les quiz, qui suis-je de Inazuma Eleven? Allez, salut tout le monde, c'était Zanark Games.